sans vouloir plaisanter, mais à la différence d'un centre de vacances, évidemment, on imagine que ces 180 ressortissants ne seront pas là à, par exemple, déjeuner ou dîner ensemble. Ils vont certainement confinés dans leur chambre, on imagine. Alors, ça va dépendre de l'évolution de la surveillance clinique dans les premiers jours. Peut-être que des mesures